À vrai dire, j'ai toujours considéré la bouche comme une source de malentendus. Il s'y passe trop de choses. On ne peut en permanence avoir l'œil sur tout. Ça va, ça vient, ça réceptionne, les mails, les mots s'y bousculent et aucun service d'ordre. Ça sent le chou et la philosophie, les confidences sentimentales et rivalisent avec la pizza, les anecdotes avec le sauté de veau et les négociations de père avec le porc. Salut, ça rate et ça rouspète, on y mange ses mots, on y crache le morceau. La paella cherche la castagne, les discussions s'enflamment partout, c'est la panique et le pique-nique sauvage. Le carré en syllabes, chacun y va de ses salades, la grammaire mange à tous les râteliers, la syntaxe s'effrite. Sujet, bière, complément, un mot de trop et c'est le pressing. La langue a beau sauter du coq au vin et des âneries au propos savant, elle y perd un latin qui n'était pas à la moutarde. L'amour. L'amour, oui. Une marionnette mal ficelée que les mots animent. Acte 1, scène 1, la rencontre. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à faire tomber l'adversaire dans les panneaux les plus éculés, compte tenu que lui-même, de bonne guerre, tentera l'impossible pour vous y entraîner. D'habitude, il y avait les autres pour regarder, puis que pouvais-je lui dire? Elle était déjà debout, pleine de vie, elle se trémoussait. Je pouvais tout de même pas lui parler de ces infâmes tartines beurrées au chocolat qui me revenaient en mémoire. Avec sa couleur, c'est sûr, elle l'aurait mal pris. Le cowboy colla alors ses lèvres contre celles de... Touchez-moi une pote, Sean. Un jour, pour échapper à un aveugle cherchant à se faire aider, pour traverser la rue, je me fis renverser par une voiture. Ça va? Tu n'as rien de cassé? Eh bien, réponds, tu n'as rien de cassé! Au singulier et féminin au pluriel. J'en avais naturellement déduit qu'un homme ne pouvait en être une femme qu'au féminin pluriel. Il pouvait aussi le rencontrer au masculin singulier, mais ça c'était une autre histoire. Plusieurs femmes donc, mais comment faire? Fallait-il les aimer ensemble ou séparément? Fallait-il commencer une phrase avec l'une et la terminer avec l'autre? Fallait-il devenir expert en synonyme? Mon poussin, ma chérie, mon trésor, devais-je les présenter? Mon A, mon mou, mon re. Les académiciens, cependant, ne tardèrent pas à voler à mon secours. Qui sait ce qu'ils iraient inventer? Peut-être qu'en les créant, Dieu s'est fait leur complice, peut-être que lui-même, en se réveillant, je veux dire, peut-être ne sommes-nous que des mots. Des mots de circonstance, cavalant de merdier en galère, de mensonges en désillusion, de définitions frelatées en conjugaisons provisoires, tantôt accordées, tantôt en guerre, quoi qu'il en soit, bourré de fautes. Invariablement coupable de n'y rien comprendre. Qu'adviendrait-il si Dieu, un jour, se passait de tout commentaire?